Yo tout le monde, c'est Axelop. Aujourd'hui les refs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Bambinou. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Bambinou sur cette vidéo? On va répondre à tes questions. Voilà, je vous ai mis un petit sondage. En gros, vous devez me poser toutes les questions que vous voulez. Genre, vous pouvez me poser 10 000 questions, ça marchait aussi. Et c'est aujourd'hui qu'on va répondre. Le concept, c'est que Bambinou va répondre, enfin, va me poser des questions. Et moi, au moins, je choisis pas les questions, c'est lui qui les choisit, moi je réponds juste, et c'est incroyable. Avant que la vidéo commence, oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, c'est important. Oubliez pas les refs de remettre le code créateur Axel5022 dans la boutique. Je compte sur vous, et dites-moi ce que vous en pensez des vidéos, des lives, etc. dans les commentaires. Sur ce, on est directement parti pour la vidéo, let's go. Alors, Bambinou, dis-moi la première question, vas-y, c'est à toi. Tes projets quand tu seras adulte? Mes projets quand je serai adulte, être chômeur? Non, en vrai, mes projets quand je serai adulte, déjà, avoir mon bac. Si YouTube, ça va me fonctionner comme je le veux, bah pourquoi pas faire mon taf et YouTube à la fois. Voilà, voilà, c'était la petite réponse. Ton streamer ou TikToker préféré? Mon streamer ou TikToker préféré, ces derniers temps, je regarde pas mal. TikToker, en fait, les gars, je m'abonne, mais je regarde tout le temps, mais pour toi. Genre, je m'en fous du reste, tu vois. Donc, TikToker, non. Mes streamers... En vrai de vrai, bah je pense c'est un peu, on est un peu tous pareils, genre bah, les grands streamers quoi, enfin je vais pas citer de blaze hein, mais enfin t'as capté quoi. En vrai j'en ai pas. C'est quand la phase game? Ah, j'attendais celle-là, c'était sûr. Ça arrivera quand moi je serai à l'aise et quand je le voudrais en fait, enfin quand je le serai à l'aise, parce que sur internet, oubliez pas qu'on peut tellement vite nous rabaisser, que voilà. Tu penses arrêter les cours à quel âge? Arrêter les cours quand j'aurai eu mon bac. C'est-à-dire dans 2 ans, dans 2 ans, putain merde quoi, 18 ans que je serai en... Oh là là, oh qu'est-ce que ça va être bien. Ouais bah quand j'aurai mon bac et puis voilà. Veux-tu faire YouTube ton métier? Ah, YouTube mon métier? Alors, si ça marche extrêmement bien comme je l'ai dit tout à l'heure, ça serait tellement bien que j'en fasse mon métier, je kifferais. Et si ça marche, bah comme là, etc. Bah j'en ferai mon truc secondaire. En gros, j'aurai mon taf et YouTube à côté. Voilà. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Alors pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Alors, je regardais des vidéos de GTA V à l'époque. Au début de tout ma, enfin au tout début, je faisais du GTA. En fait, il y a un type qui m'avait inspiré. C'était La Salle au début. Quand il était en train de buzzer sur GTA. Et je me suis dit, go faire la même chose. Et du coup, bah, j'ai fait la même chose. Et j'ai commencé à kiffer, puis voilà. Tu comptes jouer à d'autres jeux que Fortnite? Fortnite, la MM, j'en ai marre. Tu vois, la nouvelle saison, je vais peut-être la kiffer, la MM. Mais pour l'instant, Fortnite en MM, j'en ai marre. Mais, dans mes PP, dans mes accès à 10, je kiffe. Genre, c'est la chose, et genre, je suis content quand j'en fais, tu vois, t'as capté. Donc, en vrai, changer de jeu... Maintenant, non, mais peut-être sur la chaîne secondaire, il y a moyen. Mon chanteur préféré? Mon chanteur préféré? La vérité? Il y en a trop. Il y en a trop, en fait. Bah, en fait, j'aime bien beaucoup de musique, donc la vie, je peux pas répondre. T'as tout lu, là? Ah ouais? Mais attends, il n'y avait pas 43 questions. Bref, les refs, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le montage, vous avez kiffé. Je me suis amélioré de ouf sur la miniature, etc. Moi, je vous laisse. Faites de beaux rêves. Et on se capte ce soir en live à 20h sur YouTube. Ciao tout le monde.